Bonjour les amis, aujourd'hui je me retrouve avec Alexandre et Caroline et là-bas il y a Gabriel pour un tag que je reprends qui m'a été proposé par Isa sur sa chaîne Isa Family Video. Et donc je me suis dit ce serait marrant de le faire avec mes trois loulous parce que ce serait marrant d'avoir leur réponse personnelle et comme j'avais promis de le faire, donc voilà. C'est parti, on commence par la première question. Vous êtes stressés les enfants? Non, ça va. Ça va? Lui, il est cool là-bas. Alors, la première question. Qu'est-ce que maman vous dit toujours? Je t'aime. Oh ouais. Pas de réponse là-bas. Ranger les affaires. Voilà, ça le mérite d'être clair. Ensuite, deuxième question. Qu'est-ce que maman aime? Faire les gâteaux. Ouais. Le bleu. Oui. Ciel. Et les gâteaux. Il y a du copiage dans l'air. Moi j'ai dit le bleu. Qu'est-ce que maman n'aime pas pour la question 3? Ah, les chapeaux sur le lit. Ouais, maman elle est superstitieuse. Les chapeaux sur le lit. Quand on est méchant. Ah oui, ça, le manque de respect, c'est sûr. Et. Ce que t'aimes pas quand on est grognon. Quand on est en short en hiver. Oui, voilà. Et quand on est grognon aussi, voilà, c'est plus sympa quand on a une petite famille qui est heureuse. Et les shorts en hiver, en fait, le spécialiste, il est là. Que ce soit en hiver ou dans tout temps, le spécialiste, il est là. Combien de fois faut le prendre? Ouais, Gabriel, c'est bon, on se met pas en short à cette époque. Question numéro 4. Qu'est-ce que maman fait pour vous faire rire? Déguiller. Oh, les copieurs. Des blagues. Voilà, mais le roi de la blague, c'est encore lui. Ou Alexandre aussi, il en fait des bonnes. Quoique, ils sont bons chacun pour faire des blagues. Question numéro 5. Attention, attention. Alors là, ça va faire mal s'ils ne connaissent pas la réponse. Quel âge a maman? 42. Ah. Wouh! Ouais. Hein? 42. Alexandre, tu dis combien? Je pense 41. Waouh! Gabi? Bah 42 aussi. Oh, j'ai de la chance. Hein. Je pensais que j'aurais mal aux dents, mais en fait, j'ai 43 et je vais en avoir 44. Ils m'ont rajeuni! Alors, question numéro 6. Quelle taille fait maman? Alors là aussi, je sens qu'on va s'amuser. 1m75. Waouh! 1 mètre et des poussières. C'est des poussières, c'est soit. Non, je sais pas. 1m60. Hein? Et Minette? Ils ont, sont pas trop loin. Enfin, il y en a un qui est pas trop loin. Et... Attends. T'as pas la notion, hein? C'est à partir de 60, hein, déjà. Entre 60 et 70, dis un chiffre. Ah. 64. Non. Hii, c'est Caroline qui est la plus proche, puisque maman, elle fait 1m66. Et que si je faisais 1m75, ben, ça ne m'aurait pas déplu non plus. question numéro 7. Quelles sont les activités préférées de maman? Shopping. Ah, oui. Aussi faire les gâteaux. Oui, je vais passer pour une grosse gourmande. Des bisous. Ouais, bah ça, oui, ça, c'est sûr. Des cadeaux. Oui. Dans le shopping. Des rigolades. Ouais, ils ont des surprises. Bon. Ils ont tout bon partout. Ensuite, question numéro 8. Ça, c'est pas facile à répondre, puisque quand ils sont pas là, eh ben, ils peuvent pas savoir. Enfin, bref. Que fait maman quand vous n'êtes pas là? Bah, tu travailles. Ouais, déjà. Tetris. Aussi. Quand tu travailles pas à la télé. Ouais. Tu t'ennuies. Tu fais des trucs. Ouais, mais quoi comme trucs? Bah, les trucs que font toutes les mamans en général. C'est-à-dire. Ah, je sais. Vas-y. Tu touches bébé. Tu touches bébé. C'est quoi cette réponse? Bah, si.
Ouais, bon, bah, je fais la cuisine, le ménage, les courses, voilà. Ah. Autrement, j'ai des activités comme, voilà, en ce moment, c'est pas mal le tricot, les vidéos, le shopping, enfin, voilà. Je m'occupe le plus possible pour pas penser que les enfants me manquent. Enfin, voilà, j'essaye de m'occuper le plus possible pour pas être trop triste, en fait. Voilà. Bref, passons. De quelle couleur sont les yeux de maman? Marron. Voilà, à Ouais. l'unanimité. Marron. Alors, que fait maman? Que ferait maman comme métier? Ça, c'est la question numéro 10. Que ferait maman comme métier si elle était célèbre? Ah. Il y a des questions. Star d'Instagram. Yes, pourquoi pas? La fille qui se prend, qui se la pète. Star? Ouais, star, ça fait quoi une star? Bah, Si j'étais danser. célèbre, Bah, déjà, t'aurais si je beaucoup de savais sous. danser, oui. Déjà, t'aurais beaucoup de sous, donc t'achèterais une belle voiture. Et une belle Même si elle est Ah, déjà mais belle. déjà, faut être une star qui soit célèbre. Même si elle est déjà Comme. belle, celle-là. Une belle Lamborghini. Ah Euh, ouais. ouais. Tu m'emmènes à Enfin. l'école avec Lamborghini Veneno. Ouais, enfin, si j'étais célèbre, franchement, ça ne me déplairait pas de faire de l'humanitaire et autrement, voilà, faire l'humanitaire, visiter des pays comme l'Afrique et tout ça, ça À me branche l'Afrique, je veux beaucoup. bien. Moi aussi. Donc, on est bien d'accord. Non. Question numéro 11. Maman est bonne pour faire quoi? Bah, les gâteaux. Les gâteaux, Tricoter. tricoter, Décorer. la Ah, vaisselle, la vaisselle. le Les cadeaux aussi. linge. Ouais, c'est bon, on a eu les réponses. Qu'est-ce que maman ne fait pas bien? Rien. Wow. Pas. Suivant. Attends, je réfléchis. Suivant. Qu'est-ce que maman ne fait pas bien? Suivant. Genre ça. Rien. Moi, je sais ça. Jouer aux jeux vidéo, je suis une Ouais. vraie. Je suis une vraie catastrophe. Et puis? Je sais pas, non. Ah, je vais le dire, mais c'est pas méchant. Vas-y. Le bowling. Ah oui. Parce que moi, j'arrive pas à tirer non plus. Ouais, le bowling avec moi, si je mets pas les barrières, je fais pas tomber une seule quille. C'est pas la peine. Bon, j'y arrive Voilà, pas. bah t'as bien trouvé. Alors, question numéro 13. Que fait maman comme travail? Assistante mater, non, Aider les assistante. personnes âgées. Voilà, c'est ça, mais encore. Aider les Donc je enfants. travaille Maison dans. de Oui, retraite. je Maison travaille de. dans une maison de Ouais. retraite. J'aime pas ce Voilà. mot. Ouais, ben, c'est le mot pourtant, hein, en tant qu'agent de Ouais. service. J'ai trouvé. Oui, bravo ma puce. Question numéro 14. Alors là, si vous ne trouvez pas, quelle est la nourriture préférée de maman? Ah, Gâteau. sushi. Oui! Bravo, Camille! Voilà, j'adore les sushis, pour pas reprendre une célèbre. Oh, les sushis. J'adore les sushis Alors, aussi. J'en mais ai j'ai envie de plus. sushis maintenant. Et de bonne Moi bao. aussi, mais j'en parle pas parce que j'ai pas le droit en ce moment. Et les bonnes bao, tu peux? Oui, je peux, ouais. Ah. Sauf que c'est fermé. Hein. Donc le Ah. banh bao, c'est une brioche vietnamienne, on est tous friands, mais non. Alors, question numéro 15. Êtes-vous fier de votre maman? Ouais, oui. Moi aussi, Ouais. je suis fière de mes loulous. Ils sont comme ça. Oui, je me la pète. Hein. Alors, question numéro 16. Qu'est-ce qu'on fait quand on est avec maman? Bah, des magasins. On sort. Oui. Des fois, on va au restaurant. Et puis, Voilà. putain. On est en famille. C'est ça, c'est le On se principal. promène. Voilà. Avec maman, on On passe le. rigole. Voilà, on passe le plus De bon temps. de bon temps en famille. Petit bout de chou. Question numéro 17. Est-ce qu'on se ressemble? Bah Oui. ouais. Oui. Oui, on se ressemble, je pense. Bah oui. On ressemble aussi à papy. Ouais, aussi, ouais. Question numéro 18. Comment savez-vous que votre maman vous aime? Bah, Parce qu'elle grâce fait au tout le temps. bisou. Eh oui!
grâce aux bisous câlins et au je t'aime. Ouais, maman, c'est une gourmande de bisous câlins. Alors, question numéro 19. Si maman n'avait pas d'enfant ou d'amoureux, qu'est-ce qu'elle ferait? Bah, nickel, tu travaillerais tout le temps. Voilà, ça c'est dit. T'as une idée, toi? Tu travaillerais et puis... Tu nous câlinerais plus? Hein? Non, si on n'est pas là. Si je vous avais pas. De toute façon, les deux, là, ils ont tout compris. Si je les avais pas, je travaillerais sans arrêt. Ah, voilà. C'est logique. Oui. Au lieu de s'ennuyer. Voilà. Alors, quel est l'endroit favori de maman? C'est la dernière question. Le Vietnam. Oui, c'est vrai que j'adore voyager. Et nous, être avec nous. Ah oui, bah ça c'est sûr, oui. Pas mal ta réponse. Paris. Aussi. Paris, Vietnam. Gabi, au bord de la mer aussi. Oui, au bord de la mer. Bah voilà. Vous avez tous bon. Eh oui, c'est déjà fini. Bravo les loulous. Bravo pour vos bonnes réponses. Bravo, bravo. Donc voilà, j'espère que ce tag vous a plu et qu'il vous a amusé aussi par les réponses des enfants. N'est-ce pas? Hein? Oh, Caroline, elle fait le prochain tag. Elle s'occupe de faire les questions. Merci les loulous pour votre participation. Voilà les amis, il est temps de vous dire au revoir. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Salut.